L'aventure dans laquelle Marc s'est lancé depuis plus de 10 ans est celle de la sculpture. Son travail pourrait sans doute se définir comme sculpture de nature. Car enfin, à l'origine, ce qui l'inspire, c'est toute la beauté présente dans la nature. Cette source d'inspiration pousse son imagination vers des projets, sous forme de dessins au commencement, pour prendre corps ensuite en volume avec la matière. La matière qu'il choisit est naturelle, essentiellement minérale, mais parfois aussi végétale, de formes, de couleurs et de textures variées. Cela demande de chercher les pierres chez les marchands, voire jusque dans les carrières, en blocs, en tranches, ou sous forme de galets, de plaques, de monolithes. Calcaire, marbre, ardoise, serpentine, basalte provenant d'extractions du monde entier. Parallèlement au travail traditionnel de taille de la roche, s'offre aussi le choix d'assembler des éléments, comme pour la construction d'un édifice architectural. En alliant ces deux techniques, enlever et ajouter de la matière, une immense liberté de composition est alors possible. Scier, percer, surfacer, poncer demande un outillage spécifique et une manutention adaptée. Surtout lorsque les pierres font plusieurs centaines de kilos. L'atelier est le lieu où se déroulent les différentes étapes du travail, commençant par la recherche, voire l'invention d'une technique
qui va convenir à la réalisation de la sculpture imaginée. Les créations peuvent se déployer dans l'espace en élévation, avoir un équilibre rigide, une grande stabilité ou au contraire être en déséquilibre et devenir mobile pour danser avec le vent. Certaines sculptures sont denses et compactes, d'autres légères et ouvertes pour laisser le regard les traverser. Parfois, la lumière passe à travers la pierre et illumine l'intérieur ou plonge en elle pour disparaître totalement.